peuple. Voici un autre horrible épisode de la Maison Slangster. Oui, c'est ça. Il nous fera plaisir de vous... Quand vous voulez, vous avez... Oui, je vais certainement... Oui, d'ailleurs, ils sont dans ma... C'est ça, exactement... Mais à qui parles-tu ? À mon patron. On dirait que tu lui parles à moitié. Alors, dis-nous dans le... Oui, et vous allez... Pourquoi lui parles-tu à moitié ? Je lui parle pas à moitié. Mais si tu lui parles à moitié ? Transmettez à madame toutes mes à moitié. Bon, tu vois ? Ils vont venir dîner. Dans cette maison hantée ? Elle n'est pas hantée. C'est ce que tu crois ? T'as qu'à demander à Ungadabe. Ungadabe ? Oui, monsieur. Elle est hantée, cette maison ? Oh, elle est pas hantée, elle est pas hantée. Elle est pas hantée. Moi, j'aurais pas de problème à y inviter toute ma parenté. Ça va, Ungadabe. Mais pourtant, la voisine est... La voisine ne parle que de choses maléfiques parce que ça lui fait plaisir. Bon, justement, la voilà qui sonne. Bonjour ! Entrez donc. Quelle maléfique journée, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je te disais, chérie ? Je me souviens, à l'époque, d'avoir vu quelque chose d'horrible dans cette maison. Madame Sweet. Laisse, chérie, je veux entendre. Mais merde. J'ai déjà vu une femme se faire battre par la fenêtre. Une femme se faire battre par la fenêtre ? Mais non, chérie, cette fenêtre n'a jamais touché à personne. Et juste à côté de chez vous, il y a un champ de murs. Oui, il y a des murs sauvages, j'en ai cueilli quelques-unes. Mais ne savez-vous pas que les fantômes passent à travers les murs ? Non, mais tu délires, vieille pète. Chérie, sois polie, je t'en prie. Excusez-moi, eût-il été possible, madame, que vous exagérassiez un petit brin ? Eh bien. Vieille pétasse. Je me souviens aussi d'avoir vu quelqu'un ici faire un voyage astral. Et où c'est, astral ? Je ne sais pas, quelque part en Allemagne. Allô ? C'est encore moi. Ah, patron, vous venez toujours ? Oui, je suis à l'aéroport en train d'enregistrer mes bagages. Ah, vraiment ? Laisse-moi te dire que ça va être un vrai tube. Ben, je savais pas que vos valises chantaient. Ouais, d'ailleurs, il faudrait trouver un nom de groupe, t'as une idée ? Attendez, valise à paradis ? Non, pas comme ça. Non, c'est pas sûr. Ils ont déjà signé leur contrat, tu sais. C'est vous qui avez signé ? Non, c'est les bagages qu'on signait. Super, au revoir. Bon, maintenant, je vais vous prouver qu'il n'y a pas de problème dans cette maison. Hôtel de ville. Je voudrais parler à monsieur le maire, s'il vous plaît. Lui-même. Monsieur le maire, la maison Slangster est-elle une maison hantée ? Je pourrais pas vous dire. Comment ça ? Je sais pas vraiment. C'est tout ce que vous avez à dire. Ouais, bah enfin, je... Eh bien, moi, je pense que ce village est gouverné par une merde. Effectivement, je suis le maire de ce village. Et alors ? Rien du tout. Mais attendez. Qu'a-t-il ? Je me souviens, il me semble que quand j'étais tout petit... Mais quoi ? Dis-le. J'ai déjà vu cette maison. Ah, je jouais à proximité de cette maison avec un ami. Et que s'est-il passé ? Attendez que je me souvienne. Hé, regarde cette maison là-bas. Oh oui, c'est la maison Slangster. Je vais entrer. Non, n'y va pas. Oui, oui, je vais entrer. N'y va pas, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas. Ah, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas. Chérie, chérie. Et alors ? Mon copain, il est entré dans la maison. Oui. Et je l'ai pas revu. Eh bien, moi, je vais verrouiller toutes les portes. Oh mon Dieu. Où t'as mis les clés ? Les clés ? Attends que je me souvienne. Et alors ? Elles sont dans la salle de bain.